Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment nous allons pouvoir animer un personnage. Partout dans le monde, il y a des personnes qui marchent et faire marcher un personnage lorsque l'on a une vidéo, c'est toujours très sympathique. Là, vous voyez donc les trois slides que j'ai préparés, mais nous allons revenir dessus, ne vous inquiétez pas. On va déjà regarder ici. Vous voyez qu'il n'y a aucune animation, ce sont simplement les personnages que j'ai téléchargés pour pouvoir faire la simulation de la marche. Là, ce sont les personnages que j'ai mis un par un et à qui j'ai donné les animations. On regarde ce que ça donne. Vous avez vu le personnage qui a traversé la rue. Donc, on va voir comment faire. En premier, il va falloir aller chercher un personnage sur Google. Donc, on va sur Google. On cherche, par exemple, homme marche. Et on va aller dans images. Et on va plutôt aller marche. On va mettre cartoon. Ça, on aura tout de suite les personnages. Donc, vous avez tout un tas de personnages. Ici, c'est vrai que c'est mieux si vous allez dans outils, droit d'usage, licence commune, du coup vous avez tous ceux qui peuvent être utilisés, mais c'est vrai que du coup il n'y en a pas beaucoup. On va regarder là, voilà, là il y en a beaucoup plus. Donc vous prenez un personnage qui marche et vous enregistrez l'image sur votre ordinateur. Une fois que vous avez fait ça, vous allez aller dans un site qui va Remove BG, c'est pour enlever le fond d'une image. Donc vous cliquez sur télécharger, vous allez l'ouvrir et automatiquement, voilà, il vous met l'image en PNG et c'est celle-là qu'il nous faut pour pouvoir la mettre après sur un fond que nous aurons choisi. Donc très important. Une fois qu'on a fait ça, on peut prendre notre image qui est au complet et je vais remettre sur une autre diapositive pour être sûr. Voilà, on a une image qui est en PNG, qui est transparente. Hein. C'est si je la mets par exemple ici, que je la colle ici, on voit bien que les personnages sont transparents. Voilà, donc on revient ici et il va falloir pour cette image faire un truc qui est un petit peu long, mais qui est indispensable pour avoir les personnages un à un. Alors, on commence par aller dans format de l'image et on va dans rogner. Et là, on a des petits traits épais qui s'affichent et on va pouvoir les déplacer pour entourer le personnage qui nous intéresse tout de suite. Donc, on va commencer par le premier. Voilà, ça c'est le premier. On revient sur Rogner et on n'a plus que notre personnage. Ici, pour être plus dans l'axe sur tous les personnages, on va aller dans Affichage et on va mettre les repères. Voilà, comme ça on sait que notre bonhomme, on peut le mettre par exemple sur la ligne, ici. On retourne, on reclique. Et on va sur Format de l'image. Ici, on clique droit sur le personnage, on l'emmène à côté et s'affiche Copier ici. Donc, on copie. On copie et on va dans Rogner. Et là, on va pousser, on clique sur l'image qui est au fond, on pousse l'image jusqu'à ce que le bonhomme que l'on veut soit dans le cadre. Si ça ne convient pas, on peut encore jouer sur les encres noires. Voilà. Et on revient cliquer sur Rogner. On prend notre personnage, clic droit, qu'on amène à côté. Et on copie ici. Une fois qu'on a copié ça, on retourne sur Rogner. On pousse pour aller au personnage suivant. Et voilà, on rogne et on a notre personnage. Et on fait cela. Alors, pas clic gauche, mais clic droit. Hein, faites attention.
Clic droit, on amène le personnage à côté et on le copie. Et on retourne, on rogne et on amène le personnage suivant dans la partie que l'on veut. Et on clique sur rogner et voilà notre bonhomme. Donc on fait ça pour chaque personnage. On fait clic droit et on met notre personnage à côté. Copier ici. On revient sur rogner et on emmène et on rogne. On refait pareil. On emmène à côté, on copie, on rogne, on emmène le dernier ici, voilà, et on rogne. Ensuite, on continue, à clic droit, je me suis trompé de clic, on amène ici, copier ici, et on rogne, on va chercher la deuxième ligne, hop. On rogne, voilà. Alors ils sont un petit peu près là du bord droit, donc on va les prendre et les pousser tous ensemble par là pour avoir un peu plus de place. Donc on continue, on prend notre bonhomme, clic droit, on le copie à côté et on retourne dans rogner et on va chercher le deuxième bonhomme que l'on veut, celui-ci, et on rogne, on fait à nouveau clic droit, on le met à côté, on copie, on vient, on rogne, on met le personnage d'à côté, on rogne, on retourne sur rogner parce que là du coup on voit le pied de celui qui est à côté. On rogne. On fait clic droit. On copie à côté. Copier. On rogne. Et on amène le personnage suivant. Là, on voit que ça ne va pas être assez grand. Donc, on va rogner différemment. On agrandit un peu. Voilà. On rogne. Clic droit pour faire la copie à côté. Copier. On rogne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer un peu la grandeur ici. Voilà. Et on amène notre personnage ici. On rogne. On fait clic droit et on va avoir terminé avec notre dernière image. On rogne. On amène le dernier ici, voilà. Et on a fait tous nos personnages, voilà. Donc c'est bien tout ça, mais ils vont pas s'animer tout seuls. Hein. Alors en premier, vous essayez de faire en sorte que les personnages soient suffisamment l'un après à côté de l'autre, qu'ils soient à peu près bien calés sur la ligne, enfin en tout cas les parties qui touchent le sol, et que ça fasse vraiment comme si les personnages marchaient vraiment. Et pour cela, il faut qu'ils soient relativement prêts. Voilà. Alors maintenant, on va passer à l'animation. Moi, j'ai une méthode qui est la mienne, mais qui permet d'aller quand même relativement vite. Je fais un clic gauche, j'entoure mes personnages qui sont sélectionnés. Je vais dans Animation. J'ouvre le volet d'animation et je fais pour tous apparaître. Voilà. Ensuite, je fais ajouter une animation et je fais disparaître. Je sélectionne tout et je vais aller faire après le précédent pour toutes les animations. Mais forcément, pour le moment, ça ne fonctionne pas. On va aller mettre toutes les animations rouges qui sont la disparition en dessous de l'image qui correspond. Elles ont le même numéro, donc le 2 avec le 2, le 3 avec le 3, etc. etc. Et le 13. Donc maintenant, on va sélectionner en appuyant sur CTRL
toutes les images qui suppriment le personnage, qui le font disparaître. Tout ce qui est en rouge, quoi. Voilà. On clique ici et en même temps, on va aller ici, on va mettre 0,25. Vous voyez qu'automatiquement, tout se décale. Donc maintenant, on va voir comment ça fonctionne. Voilà notre bonhomme qui s'en va. Hop là! On peut régler aussi la durée. Mais normalement, c'est automatique, mais on peut mettre 0,1 seconde pour tout. Alors, on va faire 1. C'est pareil, on recommence. On clique sur CTRL et on clique sur toutes les images. Ça évite de le faire un par un. Et ici, on met 1. Voilà. On re-regarde. Voilà, on laisse comme ça. OK. Donc, une fois qu'on a fait notre petit bonhomme et qu'il est animé, eh ben, on prend l'ensemble. On peut, si on a une image très grande, copier et coller à côté. Donc, on va le faire pour le fun. Copier. Et on fait CTRL-V. Voilà. Et du coup, en faisant CTRL-V, on a toutes nos animations qui sont en même temps que les autres. Alors, il faut diminuer encore un peu. Voilà, on les met au bout. Donc, on va prendre l'ensemble de nos personnages et on va les mettre comme ceci. Maintenant qu'on a fait nos personnages, on va aller dans Conception, mettre en place l'arrière-plan, parce que si on met juste une image derrière, on va être obligé de reculer l'image pour qu'elle soit derrière. Donc autant aller directement dans la mise en page de l'arrière-plan. On va aller dans Insérer, image de la photothèque, rue, et on met cette image en arrière-plan. Voilà. Donc, on peut prendre tous nos personnages et puis les descendre sur la rue. C'est beaucoup mieux. Voilà donc notre image qui est faite. On va voir ce que ça donne. Vous voyez que notre personnage va d'un côté à l'autre de la rue, ce qui est très sympathique. On met un peu plus grand maintenant. Voilà. Et on va regarder. Personnage qui traverse la rue. Voilà, vous voyez, c'est pas hyper compliqué, mais sympathique de pouvoir mettre un personnage comme ça qui est animé. Je vous souhaite donc de faire de beaux personnages animés avec cette solution un peu longue.